suivi? Non? Ça avait été suivi? Allez, rentrez, rentrez vite! Rentrez vite! Faites voir vos sacs, parce qu'ils mettent des micros dans les sacs maintenant. Faites voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que ça me regarde? C'est quoi ça? C'est une prise. Tu crois que tu vas avoir de l'emprise sur moi? Détrompe-toi. Je ne suis pas l'homme que tu crois. Oh, ta gueule! Alors, là, on est à l'entrée de l'entreprise. Là, on a des Mr. Freeze qu'on a alignés comme ça, pêle-mêle. C'est le... Quand les employés ont bien travaillé, ils ont le droit à un petit Mr. Freeze. On les fait cuire à la vapeur, ça nous fait un petit jus. Ça, c'est la salle de réception. Là, c'est les coupes de champagne. Quand on a bien travaillé, on se fait un petit plaisir. Là, typiquement. Mmh, oh là là. Il est pas ouf. Alors là, on est dans le cœur de la société. C'est l'administration. Voilà. Ça, c'est l'administration. Ça, là, c'est l'administration. Ça et ça, c'est l'administration. Comme on savait que vous veniez aujourd'hui, on voulait, avec les employés... Levez-vous. On voulait, avec les employés, vous chanter l'hymne de l'administration. Allez, c'est parti. 3, 4, la touka, piano. Oh, oh. Qui c'est qui prend ma note, là? Là, on va aller au bureau de Bibou. On va essayer de pas faire trop de bruit parce qu'il est un peu... Il a mal à la tête. Bibou! Bibou! C'est Joujou. Je suis avec une équipe de télé, là. On aimerait faire une petite interview pour toi. Non! Pourquoi? Ils sont gentils. Non, ils vont violer! Mais non! Mais non, pas du tout, Bibou, ils vont pas te violer, pourquoi tu dis ça? Mais si, ils vont vouloir fumer mon zizi. Mais pas du tout, ils veulent pas fumer ton zizi, Bibou. Dites-lui, vous voulez pas fumer son zizi, dites-lui. Mais dites-lui, vous voulez pas fumer son zizi. Hein? Mais non, ils veulent pas, ils viennent de le dire. Bon, ben alors, d'accord, mais d'abord, il faut que je prenne une petite douche. Bon, il va prendre sa douche. Bon, ben prends ta douche, et on revient plus tard. Bon, il est con. Allez. Eh ben là, on est dans mon bureau. C'est là que je prends toutes les décisions les plus importantes, comme par exemple faire des guerres. Oh putain. Vous avez vu ça? Vous avez pas vu ça, hein? Vous avez pas filmé ces papiers là? Oh, je plaisante pas là. Vous avez pas filmé ces papiers là? Ils sont très confidentiels. Eh ben venez vous asseoir. On va déjeuner. Jennifer, c'est les nouveaux textes pour demain. Ouais. Toi, ton texte, il commence là et ouais. Ça fait... Oh, Julien, oh, merde. Alors... M'entends, là? M'entends? Vous entendez pas? Vous l'entendez, ça? Ça Test. Test, ça. Il a pas voulu nous dire où on était. Il nous disait que c'était pour nous protéger du gouvernement mexicain. Mais en vrai, on sait toujours pas exactement où on est. Moi, j'ai dit Paraguay. Ouais, la Bolivie, un truc dans ce genre. Non, je vais pas vous dire où on est, c'est confidentiel. Eh oui. Qui c'est qui a dit Honduras? Qui c'est qui a dit Honduras, là? Non, sans déconner, ça me fait pas marrer, là. Qui c'est qui a dit Honduras? Qui c'est qui l'a dit? Mais quel con! C'est lui qui vous a pris vos billets d'avion. Bon, alors, on est au Honduras, donc. Et alors, ça peut paraître bizarre, mais on est les héros d'une telenovela diffusée partout dans le monde. Comment j'ai eu l'idée? C'est un jour, j'étais chez moi, j'avais ouvert la fenêtre, et des anges m'ont chanté à l'oreille une sublime mélodie. Et grâce à ça, j'ai eu l'idée de toute l'histoire. Et ça donne ça. Thank you.
Donc voilà, et donc après, quand j'ai écouté cette chanson des anges, j'ai eu très envie de raconter plein de choses qui me sont arrivées, comme mon déracinement, mon opération du bras. Alors, c'est l'histoire d'un homme d'affaires américain qui monte un hôpital américain pour soigner des gens. Des Américains. Tous ses employés sont des femmes. Elles sont amoureuses de lui, en fait. À la base, il y avait beaucoup de scènes de cul. Non, il y avait quasiment que ça, en fait. Mais on a dit non. Là, franchement, c'est pas possible. Et l'homme d'affaires en question, l'Américain, on s'aperçoit très vite qu'il est également chercheur et qu'il est leader d'un cartel de drogue bio. C'est un homme d'aujourd'hui. C'est un homme qui a peur de rien. C'est un homme, il est là. Il est chercheur, la drogue, la prostitution, les affaires secrètes, double identité secrète. Américaine. Tiens, Jennifer, c'est la BBC, ils veulent te parler absolument. Ils sont très contents. Allô ? Oui, bonjour, c'est la BBC. C'est pour vous dire que... Je te vois, en fait. Oui, bien sûr. Oh. Bon, tout le monde est prêt, là ? Oui, on est tous prêts, on attend que vous. Eh ben, vous aussi, je vous attends. Bon, et... Bisous ! Tout le monde se fait des bisous. Des bisous sur le kiki ! Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? C'est toi ? Oui, c'est moi. Bibou, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je ne te permets pas ! Je ne te permets pas ! Tu entends ? Je ne te permets pas, Bibou ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu demandes du respect, tu en donnes aussi du respect. Bon ! Oui, ben... On y va ou bien ? Allez, laisse-moi. Et... Action pour Julia. Docteur ? Oui ? J'ai l'impression que nous sommes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. N'oubliez pas que je suis américain. Oui. Je sais. Mais Monsieur Mendez n'a pas un cancer de l'estomac. J'en suis solidement convaincue. Il n'a peut-être pas un cancer de l'estomac, comme vous dites. Mais il a certainement un cancer de jazz. Oui ! Et coupé ! Super jus, top ! Vous étiez nul. Allez, on passe à la scène suivante. Les bras. Oui, professeur. Regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur du patient. Un gant de baseball ? Exactement. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et que ce patient a encore bien d'autres choses à nous cacher. Comme par exemple, son goût pour le sport. Oh, 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 oh. Et coupé ! Bravo ! Super ! Bravo, Jennifer, c'était super. Oui. Ouais, je t'aime. Quoi ? Allez, fin de journée. C'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bon ben voilà, c'est la fin de journée. Là, on va tous retourner se détendre à la maison après une bonne journée de travail. Parce que là, on habite dans les studios. Donc voilà. Et Jennifer, j'arrive, mon amour. Oh, mais ta gueule. Elle est super. Bon, quoi? Bibou, t'as le droit de dormir dans ma chambre parce que t'as été très, très gentil. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez vu mes dossiers, là ? Vous avez vu mes dossiers ? Hein ? Jurez-moi que non. Jurez-moi que non ! Bon. Pourquoi ? Il est chaud, je peux vous le dire. C'est chaud, cucu. Mais bon... Mais... Qu'est-ce que tu fais ? Mais... Il est tout nu ? Bah alors, Bibou ? Tu voulais pas qu'on filme ton zizi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Hein ? Dis donc. Assieds-toi. Assieds-toi sur la petite chaise. Ah bah, maintenant que t'es là, t'es tout nu, bah filmez-le, hein. Hein ? Allez.